Hello tout le monde, c'est Pierre14, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Plants vs Zombies Garden Warfare 2. Et aujourd'hui, pour ce petit mois d'absence, on va faire une petite vidéo un peu spéciale. Ce sera vraiment aujourd'hui que du pack opening, on va dire, des choses comme ça. Donc en fait, j'ai acheté la mise à jour givrée de Zomboss. Du coup, parce que vous savez, comme je suis maudit avec ces foutus. C'est foutu. Comment ça s'appelle? Ouais, j'essaye de trouver mes mots. Je préférais les acheter hein, parce que franchement, au bout d'un moment, attendre pendant 2 ans pour avoir des légendaires, voilà quoi. Là, il te propose d'y avoir. Et puis en plus, je viens d'avoir ma paye, donc du coup, je me fais plaisir. Voilà, on se fait plaisir. On va dire, c'est mon petit cadeau de Noël et joyeux Noël à tous. Hein, et bientôt, on passera en 2018. Donc, tous mes meilleurs voeux pour tout le monde. Tous mes meilleurs voeux pour tout le monde. Hein, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé à dire. Excellence. Je sens que cette vidéo va être très particulière. Très, très particulière. Donc. Vous pouvez voir, j'ai économisé à donf. J'ai eu 1 million de crédits. C'est pour vous dire combien c'est dur d'avoir 1 million de crédits. J'ai pas utilisé de sous pendant peut-être, allez, peut-être 1 mois ou deux. 1 mois ou deux, je crois. 2 mois. 2 mois, je crois. Donc c'est quand même pas mal. Donc voilà. Les packs de légendaires, vous allez me dire, je vais vous révéler un truc. Vous allez me prendre pour un con, je suis d'accord. Parce que Clint Eastwood, je l'ai. Cryopoint, je l'ai. Mordor, Agility, je l'ai. Et Soldier, je l'ai. Voilà. Et Toxicocortex, j'ai une pièce. Et Citron de fer, j'ai une pièce. Vous allez me dire, ça sert à rien, t'as acheté un truc pour rien. Mais mec, qu'est-ce que tu fous? Bah, en fait. Là, mon but, c'est sûr, je l'ai débloqué, mais mon but, c'est de débloquer l'informaticien dans le pack opening qu'on va faire juste après. Espérons peut-être que je débloque un truc. Voilà. Donc, pour l'instant, on va débloquer, on va faire vite tout ça. Hein, voilà, 15 000 pièces. Ce qui est bien, c'est que tu gagnes des pièces. Voilà. Ça, c'est pas mal, je vous l'avoue. Bah, on va ouvrir le cryopoids. Voilà, on va faire vite. Hein, les packs d'arc-en-ciel, les packs d'étoiles. On va pas utiliser pour l'instant. On va pas utiliser. Ouh! Ah ouais, j'avais totalement oublié ça. Ça, c'est bien ça. C'est la nouvelle capacité. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Bon. On ouvre. On ouvre, on ouvre. Bon, 15 000 pièces, comme d'hab. Clint Eastwood, on ouvre 15 000 pièces, 15 000 pièces, 15 000 pièces. On mange, Lucas. Hein? Attends. On va ouvrir ce pack-là et je crois qu'on a le perroquet, si je me souviens bien. Non, ne bug pas maintenant, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Ne me fais pas ça. Ne me fais pas ça. La vérité. S'il te plaît, la vérité. La vérité, la vérité. Oui, voilà. Ouf, j'ai cru que ça allait bugger. Donc, perroquet du futur. Bon, j'ai un petit. J'ai une petite. On va faire une petite aparté. J'ai un petit problème à régler. On se retrouve juste après. À tout à l'heure. On se retrouve pour la suite du pack opening. Ça, on n'y ouvrira pas parce que, comme vous voyez. J'ai 200 d'étoiles et 200 d'étoiles arc-en-ciel, donc ça ne sert strictement à rien de les ouvrir. Ce serait une perte de temps. Ça sert à rien, tout simplement. Ça sert à rien, donc voilà. Donc, on va tout de suite commencer. On va ouvrir d'abord le pack du citron de fer, voilà, pour clouer le tout. Voilà. Et le citron de fer, on le débloque donc. On gagne quand même 50 000 pièces, hein, c'est plutôt pas mal, je vous avoue. Hein, c'est plutôt pas mal. Donc, et le Toxicocortex. Ça fait tellement longtemps que je veux le débloquer celui-là. Hein, parce que vraiment, il est vraiment très bien ce personnage. J'ai vraiment. Je le kiffe ce perso. Il est vraiment excellent. Donc,
Toxicocortex, personnage déverrouillé. C'est parfait. Donc, nous avons 1400 pièces pour le pack opening. Donc, on va commencer tout de suite, hein, on va pas perdre de temps parce que je voulais vous faire une petite démo. Donc, espérons que la vidéo soit pas trop longue. Hein, pour que la vidéo soit pas trop. Oh! Eh ben, du légendaire, il pleut des légendaires. Ce sera le pleut des légendaires partie 2, les mecs. Partie 2, les gars. Partie 2. Ça va, ça c'est excellent, ça. Ouais, dès le premier pack, je débloque une légendaire. J'ai de la chance ou ça se passe comment? Ah, bah ça c'est pas mal, ça. Donc, ouais, c'est les deux personnages qui me manquent encore. Enfin, super rare en tant qui me manque, c'est. C'est les personnages de la mise à jour en première ligne. C'est le Capitaine Mamouette et puis la Nécrose. Si je me souviens bien, il manque deux pièces pour le Capitaine Mamouette et trois pièces pour la Nécrose. Donc, on va. Voilà, ça se débloque. Donc, si vous avez bien remarqué, ils ont tout changé au niveau du pack opening. Ils ont tout changé. En fait, ils ont gardé que 4 packs. Ils ont gardé que 4 packs, celui-là, celui-là, celui-là. Ils ont enlevé tous les packs spécial Zomborbia, spécial Première Ligne, et ça. Personne ne l'utilisait, c'était n'importe quoi. Voilà. Donc, ils ont préféré faire plus simple. Et je trouve que c'est vraiment une bonne chose qu'ils ont fait ça. Parce que c'est parfois, on s'y perdait, quoi. C'était abusé, quoi. Ouf! Oh là là, mais c'est n'importe quoi! Ce pack opening part totalement en steak! Ce pack opening part totalement en steak! Il pleut des légendaires de partout! Il pleut des légendaires de partout! 4 légendaires déjà! Bon, c'est des chapeaux, je vous avoue, mais c'est quand même des légendaires! C'est excellent! C'est vraiment excellent! Voilà, c'est du légendaire! C'est du légendaire! Encore du légendaire! Du légendaire! Du légendaire! C'est magnifique! On adore ça! On adore ça! Ah, si. Eh! En 2 ans, je crois que j'ai jamais débloqué autant de légendaires en une fois. Vous voyez? En une fois. À part pour ma vidéo Il pleut des légendaires où j'ai débloqué Maïs Commando. Mais sinon, y a rien quoi. Y a rien. Eh, ça fait tellement longtemps que je veux la débloquer celle-là. La méga bombe de soins. Mais ça fait un bail de temps. Un bail. Oh là là, un bail sombre de temps. Un bail sombre de temps. Les gens qui me suivent depuis longtemps comprendront toute la souffrance que j'ai débloquée pour cette merde, putain! Mais c'est pas possible, quoi! Eh, c'est ouf, quoi! C'est ouf! Non, on va pas des. Voilà. Ah, c'est ouf, hein! Eh, franchement, si j'ai l'informaticien, ce serait ouf. Ce serait juste ouf. Ce serait ouf. Bon, là, on a eu que du caca. On va pas regarder. Voilà. Allez. Allez, allez. Peut-être du. Bon, bah, Nécrose. Hein. Bah, on va bientôt débloquer tout ça. Hein. On va bientôt se débloquer tout ça. Je pense que je vais vous faire des parties avec Capitaine Mamouette et puis Nécrose. Hein, ça pourra être bien. Bah, voilà. Capitaine Mamouette, débloqué. Personnage débloqué. Pirate, Capitaine Mamouette. C'est en fait la version du Capitaine en poison. Donc, voilà. Pour vous dire, c'est ça. Donc, espérons que la vidéo soit pas trop longue pour vous. Et puis, au pire, si vous voyez que c'est un petit peu trop long, bah, Nécrose, c'est parfait. Si vous voyez que c'est un petit peu trop long, bah, je pense que voilà, vous couperez, vous couperez. Voilà, il n'y a pas de problème. Hein, il n'y a pas de problème. Hein, si vous trouvez que c'est beaucoup trop long, vous couperez. Et puis, de toute façon, je pense. Ah, bah, cool. Ortie épineuse. Cool ça. Bah, je pense qu'au bout d'un moment, si ça va me saouler. Je pense que je vais arrêter le pack opening. Et je vais tester les nouvelles capacités et les personnages et tout, quoi. Parce que, il faudrait que j'y débloque à un moment, quoi. Donc, les gars, bah, franchement, c'est vraiment une vidéo très spéciale. En fait, là, je cache mon bonheur, mais en vrai, c'est vraiment hyper cool, quoi. Je sais ce que j'aurais pu aller débloquer. C'est cool, quoi. J'aurais plus à faire ça, quoi. C'est pas mal quoi, c'est parce que j'en ai juste plus que marre de devoir par exemple voilà quoi tout le temps aller enfin
J'ai du mal à trouver mot. Tout le temps ouvrir un pack et puis tomber sur du caca, quoi. Là, comme on fait tout, depuis tout à l'heure, là, c'est juste énervant. Mais dès le début, on a eu des bons trucs. Hein. Dès le début du pack opening, bam! Et bah, bon vaillot sombrero. C'est là où, en fait, vous voyez que j'ai rien. Je suis le SDF de PVZ. Je suis le SDF de PVZ, les gars. Parce que j'ai absolument aucune capacité, quoi. Et je débloque tout maintenant, là. C'est un truc de fou. Je débloque tout maintenant. Il fallait que j'ai 500 000. Il fallait que j'ai quand même 1 million de crédits pour pouvoir débloquer les capacités. C'est un bon enfoiré, quoi. Ah là là. Et ils sont ouf, hein. Ils sont ouf, hein, quand même. Hein. Allez. On veut du légendaire informaticien. On veut de l'informaticien, les mecs. Donnez-nous de l'informaticien. Allez, c'est parti. C'est le moment là, c'est le moment les gars, c'est le moment. Ah, je débloque que du caca là, c'est pas possible. Allez, allez les gars, allez, on y va, on y va, on y va. Oh là là, eh, mais qu'est-ce que. Eh, Technovision en argent. Bien sûr, tout à l'heure, ils vont me prendre celui en or. Vous voyez, vous verrez, je vais avoir celui en or et après, je vais avoir celui en diamant. On parie? Ah, bah, vous voyez, en diamant. À quoi ça sert en diamant? C'est juste du remplissage, quoi. C'est un truc, mais c'est infâme, quoi. Par contre, les apparences de pistolet, moi, je kiffe. Hein. Pour les zombies et tout, c'est vraiment kiffant. Je pense qu'ils devraient faire ça pour les plantes. Je trouve c'est. Bah, du légendaire, encore une fois, mais c'est magnifique. On adore. Je crois que c'est la. Attendez, le troisième chapeau que je débloque dans cette vidéo. C'est du grand n'importe quoi, ce pack opening. Je crois que c'est. Ouais, je lâche en plein délire là. C'est du grand n'importe quoi. C'est du délire, c'est du délire. Alors, là, c'est vraiment du. Ouais, du n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et bah, marteau piqueur turbo. Bah, cette capacité. On m'a pas dit du bien, je connais personne qui dit cette capacité de l'ingénieur, donc bah on va pas s'attarder dessus. C'est parti, on continue. Donc, allez, on y va, on y va. Comme vous voyez, en fait, il y a un pack de ravitaillement des plantes. En fait, ils nous ont mis. En fait, j'étais juste dégoûté parce qu'en fait, j'ai vu un truc de Noël et tout. Avec un. Je crois un truc de Noël. Mais en fait, ils nous ont mis le royalty et puis ça commence juste à me gonfler. À un point, ça me gonfle, c'est ouf quoi. Parce que c'est juste énervant quoi, qu'ils te mettent tout le temps la même chose quoi. Au bout d'un moment, faut arrêter. Parce que les gens, au bout d'un moment, ils te remettent tout le temps les mêmes chasses au boss, tout le temps les mêmes. Tu revois tout le temps les mêmes. Et ben, au bout d'un moment, les gens, ils vont se déconnecter. Et puis peut-être que à ce moment-là, quand les gens, ils vont se déconnecter, bah ben, ils vont peut-être réagir. Et je pense que ce sera trop tard. Donc les mecs, j'envoie. Un gros signe de colère à PopCap au niveau déjà aussi des bugs et au niveau du contenu qui est pour moi insuffisant très très insuffisant d'ailleurs très très insuffisant. Je veux bien au début voilà, mais si ça veut dire que ils font du contenu insuffisant sur le jeu, j'espère bien pour eux qu'ils vont nous sortir un teaser de Garden Warfare 3, parce que sinon, alors là, PVZ c'est fini, hein. PVZ c'est fini les gars, c'est fini, vous arrêtez, vous arrêterez, hein. Voilà. Donc bon, on va en ouvrir encore deux, et puis je pense qu'on va s'arrêter là au niveau du pack opening, parce que c'est du blabla, du blabla, du blabla, je crois que je suis en train de vous saouler, donc, et je suis en train de me saouler moi-même d'ailleurs, donc voilà, on va ouvrir le dernier. Je pense pas qu'on va débloquer l'ingénieur, mais si on débloque l'ingénieur, je pense que je vais péter un câble. Je vais péter un câble. Donc on débloquera rien. Bon, ça c'est une apparence d'arme pour la star du tennis. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc on va tout de suite aller dans le truc de personnalisation. Enfin, on va dire, voilà. Et le toxicocortex. Le toxicocortex, c'est excellent. Excellent. Supercharge. Surcharge toxique. Donc, nous allons aller sur le point. Voilà. À ce qui paraît, ça, c'est vraiment un personnage pour les boss. Alors, contre les boss,
Une fois, je vous ferai une vidéo un peu spéciale. Essayez à me lancer un défi. Et ouais, c'est vraiment excellent. La surcharge de. La surcharge toxique, c'est vraiment excellent parce qu'en fait, c'est qu'au point, mais ça se fait ultra vite en fait. Ça va trop vite. Ça va juste trop vite. Et franchement, c'est peut-être un. Bah, je pense c'est un des meilleurs, peut-être, personnages toxiques, je crois. Que dire? Peut-être le meilleur, hein, peut-être. Peut-être le meilleur. Parce que les personnages toxiques, faut savoir que c'est vraiment des nids à assistance. C'est vraiment des nids à assistance. Je vous l'avais déjà dit avec la rose de Riday, je pense. Je crois que j'avais pas fait de vidéos avec. Et là, ouais, là, ça fait du dégât, quoi. Quand t'es en surcharge toxique, ça fait très, très mal. Bon. Et ce qui est vraiment très important, si vous l'avez bien sûr, avec le Toxicocortex, c'est vraiment très important d'avoir la balle super multi. Parce que vu que quand on est en surcharge toxique, c'est très important parce qu'en fait les balles, les multi-balles, mais elles vont faire mais ultra ultra mal. Et ça, je peux vous le garantir. Bon, on va switcher. Et on va prendre le. On va réapparaître. Et on va prendre. Bah, on va faire les zombies. Et on va prendre le capitaine Mamouette. Le capitaine Mamouette. Donc. Voilà. Ouh. Moi, je kiffe le personnage parce qu'en fait, c'est une sorte de personnage à verrou, en fait. Voilà. Pau. Oh là, poum! Tu peux. Ça c'est trop stylé, moi je trouve. Voilà. Bon, espérons qu'il capture pas. Et puis en même temps, je pense on va un peu. Bon, on va aller. Oh là là, dur. Dur. Ouais, c'est pas facile hein, ce perso à jouer. Bon, faut pas que je sorte de la zone. Allez, 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 on va. Je vais survivre. Ouh! Oh, je l'aurais mis. Je l'aurais tué. Alors là, il aurait pris trop cher. Bon, on va personnaliser. Capacité. Le perroquet du futur. Donc, le perroquet, en fait, c'est un peu comme. Je dirais. Je sais plus comment il s'appelle. Attendez. C'est un peu comme le drone artichaut en fait de du c'est un peu comme le drone artichaut en fait le mais version zombie en fait parce que le vous allez tout de suite comprendre pourquoi je vous dis ça parce que le drone bah vous verrez regardez si vous regardez bien le drone a 20 points de vie ce qui est considérable pour un regardez et en plus il fait juste hyper mal quoi c'est un truc de fou c'est un truc de malade les gars regardez non, mais regardez ça il fait juste trop mal quoi il fait genre peut-être allez je dirais peut-être allez 10, 100 fois plus de dégâts que comment ça s'appelle que le drone perroquet du pirate quoi c'est un truc de fou quoi et c'est ouais c'est en fait un et en plus regardez comme ça fait mal c'est ouf regardez c'est juste regardez voilà là d'habitude ça j'aurais pris 3 siècles pour y tuer quoi c'est ouf quoi ça fait très mal Bon, bah, je me suis fait tuer. Je crois pas que je me suis fait tuer. Bon, on va passer chez les plantes. Et on va prendre le citron de fer. Le citron de fer, il n'y a pas trop de suspense. Parce qu'en fait, vous connaissez déjà. Parce que j'avais déjà fait une vidéo avec le citron de fer dans un mode de jeu. Qui était, ma foi, excellent. Parce qu'on avait fait une bonne petite game. Le citron de fer, c'est pas le plus facile, je dirais. Au début, en tout cas. Au début, c'est pas le plus facile à jouer. Quand il est pas, absolument pas maxé, c'est pas le plus facile à jouer, je vous l'accorde.
Parce que tout simplement il fait pas de dégâts quoi. Au début vous verrez il fait pas de dégâts parce qu'en fait si vous voulez il a absolument pas de chargement quoi, il a pas de il a pas de bah enfin il a qu'une balle et en fait le truc c'est que ça fait 50 de dégâts, ok, mais après mais le vu que le rechargement est hyper lent. Bah là, par contre, ce qui est bien, c'est que on a. Ce qui est bien là, c'est qu'on a 5 balles, quoi. Et 5 balles de 50, surtout en rafale comme ça, ah, je peux vous dire que ça fait hyper, hyper mal. Ça fait hyper mal. Et je trouve, il est super stylé avec un autre truc. Je sais plus comment ça s'appelle. Avec un chapeau. Le chapeau que j'ai débloqué de citron dès le début de la game, dès le début du pack opening, ça, il est vraiment excellent. Bon, on va pas s'attarder parce que sinon la vidéo va durer 3 siècles et je sais combien vous détestez les vidéos longues. Donc, on va tester Necroz. Necroz, je suis pas vraiment fan. Hein. Je suis pas hyper fan du modèle. Hein. Pas hyper fan hein, je suis pas hyper fan. Le seul truc en fait, le seul problème que je pourrais donner à ce perso, c'est qu'en fait je sais pas, en fait il est assez spécial à jouer, c'est bizarre en fait. Il est assez spécial, c'est en fait on a une charge là, vous voyez la charge, et en fait avec cette charge là on fait plus de dégâts, c'est tout simple hein. Mais après c'est un peu cheaté parce qu'en fait la charge elle se fait ultra vite. Et en plus, elle fait du dégât. Donc, vous voyez, regardez, voilà, je fais du 34 de dégâts, c'est juste énorme. Enfin, surtout, mais vous verrez en vrai, là, avec l'amélioration, si on a l'amélioration de dégâts pour Necroz, je vous garantis que le truc, il fait plus mal que. Elle fait plus mal que la rose, quoi. Et la rose, je veux dire, de l'époque, hein. Enfin, la rose, voilà quoi. La rose, au moment où elle était assez cheat, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire, quoi. Bon. On va passer au suivant. Hein, on va pas s'attarder dessus. On va passer au drone. Voilà, on va passer au drone. Voilà, on va pas s'attarder. Donc on va prendre le cactus. Et puis là, voilà. Donc là c'est le drone high noir en fait. Et regardez, vous voyez, c'est totalement un système de tir totalement différent. Regardez. C'est un système de tir totalement différent en fait. C'est spécial. Mais franchement je kiffe parce qu'en fait les dégâts de zone ils sont ultra puissants en fait. C'est très puissant, c'est voilà quoi. En fait, on peut tirer un peu n'importe où, voilà quoi. Tu peux bouger un peu dans tous les sens et tout, ça fera du dégât quoi. Et c'est ça qui est vraiment excellent quoi. Regardez, voilà, et vous voyez, regardez, ça fait très mal quoi, ça fait très très mal. Moi, je trouve il fait vraiment mal ce drone. Il fait mal et du coup je sais pas, j'ai pas vu si on avait le si on avait comme ça s'appelle la même capacité au niveau du triangle, je crois. Je sais pas si on a la même. En tout cas j'ai trouvé là que le drone il durait pas si longtemps que ça. Je crois que c'est peut-être la particularité de ce drone. C'est que le drone il dure pas très très longtemps hein, au niveau de. Donc voilà, on tombe vite à court. Parce que. Ouais, il est. Voilà. Donc, du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à liker, à partager, comme d'habitude. Ça fait toujours plaisir. Vraiment, le petit like et surtout le petit commentaire pour dire ce que vous en pensez de ce que je fais. Et puis
Et puis je vais refaire des vidéos. Et je pense que je vais faire une vidéo un peu spéciale. Je vous en dis pas plus. Mais voilà, je vais en faire une spéciale dans les jours qui viennent, je pense. Dans les. Allez, dans les têtes. Dans 3 jours. Dans 3 jours, je sortirai une vidéo un peu spéciale. Vous verrez tout ça sur le moment. Bon, j'espère que ça vous a fait plaisir. C'était Tirasun 14. Allez, ciao, bye bye.